J'ai le diable de ce Julien Sorel. C'est vrai que vous le connaissez. C'est sans doute à cause de moi que ce serpent s'est introduit chez le marquis de la Mole. Julien. Oh, madame, si vous saviez. Comment pourrais-je me douter? Il nous a tous manipulés. De quoi parlez-vous? Qu'a-t-il fait? Non, je ne veux pas semer vos chastes oreilles. Mais cette histoire, attendez. Dites-moi, monsieur, je veux savoir. Sachez que Julien Sorel travaille activement à la ruine du marquis de la Mole. Il joue à merveille de son air candide et de sa soi-disant vocation religieuse pour séduire cette famille trop noble pour soupçonner le mal. Alors que le marquis rend lui un serviteur fidèle, il a déjà pris la marquise dans ses filets à qui il a fait promettre sa propre fille pour rafler leur fortune. Julien, c'est impossible. Il l'a dit lui-même, madame. Grande soirée organisée par le marquis. Je m'étais rendu pour demander plus de moyens pour nos pauvres et il m'a tout avoué, crispé par le champagne sans doute. Avec un sourire que je ne lui connaissais pas, avec un cynisme, j'en suis resté bouche bée. Et il a même prétendu vous avoir séduit de vous, Louis. Je l'ai jeté de mon corps à la figure immédiatement en entendant telle aberration et il m'a rionné et m'a laissé là dans l'état dans lequel vous voyez le Seigneur. Montre-moi le chemin.